faut-il aller plus loin, comme le demandent certains dans l'opposition, et notamment les Républicains, en créant une sorte d'anticipation, de crime par anticipation, qui évidemment n'est pas aujourd'hui compatible avec notre état de droit, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dépassé et est-ce qu'il ne faut pas changer d'outil ? Bah, écoutez, on ne peut pas aller trop loin. Clairement. Ça voudrait dire quoi? Qui va décider qu'une personne potentiellement est capable de passer à l'acte si on n'a pas de preuves de préparation de cet acte-là? Parce que quand on a des preuves, on les arrête avant qu'il passe à l'acte, c'est tout le but. Mais quand on n'a même pas ces preuves-là, qui va décider ça? Qui va décider que cette personne-là, eh ben, il faut l'incarcérer? Et puis combien de temps?